Morgan. Tu es en avance, Walter. Un client pour vous. Mâle ou femelle? Je la trouve jolie. Montre. Merci, Walter. Tu peux la congédier. Je lui ai dit que vous ne receviez personne, mais elle m'a demandé de vous remettre ça. Il est en cire. Goûte-moi ça et dis-moi honnêtement si vous avez la même chose en Bavière. Ah, j'ai vu Blaiseau, hein, je l'ai calmé un peu. Moi, j'ai rencontré Plantu, son beau-frère. Vous le connaissez? Non, c'est quel genre? Genre beau-frère à Blaiseau. Il travaille aux abattoirs et sa femme est caissière dans un supermarché. Ils accusent Blaiseau de vouloir récupérer la petite pour piquer l'argent de l'assurance. Justement, à propos de l'assurance, faudra que tu te renseignes. Hein. Qui, quoi, combien, comment? C'est intéressant pour une première affaire, ce plongeon dans la France profonde, non? Alors, ton pays ne te manque pas trop? Si, bien sûr. Mais j'apprécie tout ce que je vous dois. Allez, bois. Faut me comprendre, madame le juge. C'était l'année Saint-Georges, hein, pas la mienne. Moi, des nièces en Bretagne, ils m'en font l'élevage, alors. Vous n'avez pas à vous justifier, Mme Plantu. Carole n'ira à l'orphelinat. Elle y sera très bien traitée. D'ailleurs, Mademoiselle Favier est une excellente assistante sociale. Elle prendra soin d'elle. Et tout se passera très, très bien. Bien sûr, vous pourrez lui rendre visite quand vous voulez. Hmm? D'accord. Surtout couvrez-la bien parce qu'elle est fragile des bronches. Elle m'a fait deux otites cet hiver. Très bien. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Lydia a très mal pris ce qui est arrivé à sa sœur. Je crois qu'elle vous en veut. J'ai rempli ma mission, Walter. J'ai innocenté sa sœur du meurtre de Vladimir Kasek. En lui mettant deux autres meurtres sur les bras. Non, c'est elle qui s'est mis ses crimes sur les bras. En les commettant. Dans le fond, c'est beau la vie. Il y a des jours, oui.